je voudrais vous faire part de deux lectures qui m'ont passionné, juste avant de vous présenter Denis, et vous allez comprendre pourquoi. Deux lectures qui m'ont passionné. La première, qui est L'éloge de la faiblesse, qui est un ouvrage qui est sorti, collection Marabout, d'Alexandre Jolien, qui est un jeune homme handicapé, infirme moteur cérébral, qui parle de sa relation au handicap et à la vie. Et puis un deuxième ouvrage qui est celui de Régis Debray, philosophe bien connu, médiologue, comme il se plaît à se présenter lui-même. Régis Debray a écrit il y a 2 ans maintenant un essai qui s'appelle « L'éloge des frontières ». Alors pourquoi je commence par cela avant de passer la parole à Denis ? Parce que Régis Debray, dans son ouvrage, dit « L'homme est un être borné ». Pas au sens où il aurait l'intelligence minorée, mais au sens où il y a chez lui, de l'intérieur et de l'extérieur, il y a des frontières, il y a du lien avec d'autres, il y a de la confrontation permanente, ne serait-ce que sa respiration, le lien avec le milieu naturel. Et à ce titre, il est amené aussi à penser une manière de se borner dans ses amitiés, dans ses relations, dans ses appartenances. Et il parle beaucoup de ces collectivités, de ces villages qui pendant des années se sont tenus un peu à l'écart de la vie de tous les jours, de la grande vie, de la culture, qui ont participé à la culture et au développement des pays, des États et des continents. Mais il parle de ce concept de collectivité qui dit, il dit ceci, pour éviter de passer de la collectivité à la communauté, il faut essayer de réfléchir un peu moins en termes de transcendance qu'en termes de partage et de connaissances réciproques. Voilà ce que dit Régis Debray dans son ouvrage « Éloge des frontières » en disant « Puisqu'on ne peut pas faire abstraction de la frontière, eh bien utilisons-la plutôt pour essayer de, à l'intérieur d'une collectivité, d'une communauté, pour nous connaître ». Magnifique réussite aujourd'hui. Vous avez, Madame de Belsis, ce n'est pas une conclusion, hein, mais vous avez réussi à regrouper ici des parents, des professionnels, des enseignants, des médecins. Enfin bref, vous avez réussi cette agrégation particulièrement intéressante. Moi toute seule ? Vous tous, tous, mais je vous parle à vous parce que vous êtes assise à ma gauche. Voilà, c'est pas la droite du père. Donc voilà, c'était important de dire que pour arriver à dépasser une communauté, et lorsqu'on a à réfléchir sur le handicap, très vite, on est en communauté au sens où on travaille en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'on a la communauté des 10, on a la communauté des IMC, on a la communauté des sourds, des aveugles, des ceci et des cela, et pour le coup, on commence à réfléchir en tuyau d'orgue, et pour le coup, on s'enferme et on assigne à résidence nos propres ressortissants. Donc voilà pourquoi, dans le débat qui a présidé à l'ouverture de cette journée, nous avons été quelques-uns à souhaiter qu'il puisse y avoir une intervention d'une autre nature, plus philosophique, plus anthropologique, plus sociologique, qui nous amènera, mais je sais qu'elle nous amènera, c'est un futur proche, à réfléchir sur la notion de frontière, sur la notion de récit de vie, sur la notion de justice, sur la notion de responsabilité individuelle et collective. Ce que nous dit ce jeune homme, Alexandre Jolien, qui ne peut pas écrire, qui a écrit un livre médier, il s'est fait écrire son livre, il a écrit un livre magnifique, c'est un dialogue socratique, il dialogue avec Socrate, et il parle de la normalité et de l'anormalité, il parle de la différence, et il parle de ce concept magnifique, sans jamais le citer, qui consiste à faire société, à vivre ensemble, et à construire une société inclusive. Alors je ne veux pas terminer sur des propos dithyrambiques. Une société inclusive, ce n'est pas un donné, c'est quelque chose qui se construit tous les jours, mais ce n'est pas nouveau. On a tendance à penser qu'on a remplacé l'intégration par l'inclusion. Je pense que l'inclusion, ça ne veut rien dire. L'inclusion, on aurait plutôt, à mon avis, intérêt à le conjuguer sous la forme d'un qualificatif, d'un adjectif qualificatif, en disant qu'il y a de la société inclusive, mais si on remplace l'intégration pour l'inclusion, on n'a strictement rien changé. C'est mon point de vue. Voilà, donc Denis Poisat est professeur à l'Université Lyon 2, directeur de l'Institut des sciences et pratiques d'éducation et formation, ISPEF, dans notre jargon. Voilà, Institut des sciences et pratiques d'éducation et formation. C'est quelqu'un qui participe à la formation pluricatégorielle, quelqu'un d'important, d'intéressant, sur ce qui nous anime aujourd'hui. Si on veut faire société, il faut pouvoir concomitamment, dans les mêmes lieux, dans les mêmes espaces, entendre des enseignants, des médecins, des
Allez, des parents, mais les parents sont aussi enseignants ou médecins. Hein, je veux dire que d'une certaine manière, parents en soi, c'est pas un ordre social, c'est une réalité séculière, c'est une réalité. Donc Denis, tu vas sans doute commencer à nous parler de ce phénomène qui finalement ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. Tu vas essayer de l'ancrer dans l'histoire des religions de manière assez rapide. Et puis rapidement, tu aborderas la question de la justice, du rapport à l'autre et de la responsabilité individuelle et collective pour faire en sorte que les 10, comme tous les autres handicaps, ne soient plus que des situations anecdotiques. Alors bonjour à tous. Je voudrais d'abord m'excuser parce que le propos que je vais tenir va vous paraître sans doute très mince, très léger par rapport aux propos extrêmement qui dénotent une grande compétence hein, des professionnels. Vous, mesdames, que je viens de vous entendre et je me dis, bon sang, voilà des gens, j'ai entendu quelques personnes avant qui travaillent sur la couverture universelle du dépistage précoce. Quelle utilité extraordinaire. Vous avez parlé de ce carnet de santé qui est un des plus performants au monde. Je veux bien vous croire, je vis avec une épidémiologiste qui me parle comme ça. Alors, c'est une chose très importante que la couverture universelle. Et je crois que ce qui compte, c'est souvent aussi le présent. Et le présent, c'est la vie. Et c'est les vivants. Alors, malheureusement, moi, n'étant pas, même si je suis un ancien du terrain, n'étant pas moi-même versé dans des considérations pratiques, utiles, comme vous l'êtes, je suis un peu impressionné, enfin un peu gêné de n'avoir à débattre avec vous que de choses qui vous paraîtront sans doute un peu lointaines. Alors, je voudrais vous demander d'être indulgent, que je travaille à l'université, dans les écrits avec les étudiants, qui est une affaire liée au handicap, ou, pour le dire très vite, qui est liée à l'écart des personnes en fonction de leur corps, de leur allure ou de leur esprit par rapport à ce qui est quelque chose d'habituellement rencontré dans une société. Bon, il n'y a pas de société dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, qui n'ait été confrontée à cette importante question. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas de société aujourd'hui qui ne soit confrontée de la même manière à cette question. Elle est éternelle. Et elle est éternelle, c'est-à-dire qu'elle va durer encore. Donc, même si on arrive à trouver des solutions, d'autres problèmes surgiront toujours, toujours, toujours. On a toujours rêvé d'une forme d'homme qui ne soit pas celui qu'il est vraiment. On a toujours rêvé de fabriquer des hommes nouveaux. Ça, c'est dans les grands héritages mythiques. Vous savez, il y avait un dieu qui s'appelait Héphaïstos, dieu forgeron dans la mythologie grecque, qui fabriquait un homme, qui le forgeait. Et cet homme était animé de paroles. Et en même temps, c'est le grand châtiment qu'on porte à l'homme d'avoir voulu égaler la puissance divine, de fabriquer un homme tel que nous voudrions qu'il soit. Et cette idée-là, on la retrouve dans d'autres traditions. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des religions. On le trouve, par exemple, dans la création du golem. Le golem, en Europe centrale, c'était un personnage qui est né dans la tête d'un rabbin et qui fabrique ce personnage. Mais la créature fabriquée par l'homme finit par se rebeller elle-même. Bon, vieux rêve de fabriquer un homme normé, conforme à notre imaginaire, à notre fantasme, à notre désir. Hein. Bon, alors cette affaire d'écart hein, entre un individu réel et un individu rêvé, c'est une vieille question. Et on retrouve ça dans toute l'histoire des religions, dans l'histoire en tout cas des religions que j'étudie, et j'étudie particulièrement le judaïsme, et le christianisme. Alors je voulais faire 3 livres, mais j'aurais pris ma retraite quand j'aurais pas fini le premier. Alors, ça fait des années que je travaille sur le judaïsme et le christianisme, mais c'est absolument énorme. Alors, juste quelques idées tout de même. Vous savez, l'histoire du handicap, elle naît au tout début, déjà dans la création d'un homme normé, c'est Gan Eden, c'est le jardin, le premier texte de la Bible,
En hébreu, c'est Bereshit. Bereshit, ça veut dire en tête ou au commencement. Et souvent, vous savez, dans les histoires de textes très anciens, il y a des problèmes de traduction. Adam et Ève, si on les appelle comme ça, ce n'est pas Ève tirée d'Adam, de la côte d'Adam, c'est Ève est le côté d'Adam. Et Adam est le côté d'Ève. Ce n'est pas la côte, c'est le côté. Cette indifférenciation du départ et cette idée d'un homme qui naît dans les grands récits mythiques, y compris bibliques, c'est quelque chose qui n'est pas achevé, qui est imparfait et qui ne sera jamais parfait. Et on s'interroge dans la tradition juive notamment, et dans la tradition talmudique, qui est le commentaire de la Torah, on s'interroge déjà sur le handicap, puisque on se demande si les Kohanim, c'est les prêtres. Est-ce qu'ils peuvent exercer le culte s'ils sont sourds, s'ils sont aveugles, s'ils sont marqués par tel ou tel aspect de leur corps, telle ou telle difficulté sensorielle, et on discute. On discute parce qu'on sait déjà dans des sociétés très anciennes que cela pose un problème fondamental à la société. Et on le trouve par exemple dans les récits, tout le récit de la lèpre traverse l'histoire humaine. Et les interprétations de la lèpre, elles vont à la fois du côté moral, c'est-à-dire l'esprit souillé par la faute, ou du côté du dartre, de la maladie de Hansen, la lèpre, quoi. Et on réfléchit de savoir qu'est-ce que c'est que cette affaire et comment on peut à la fois soigner, comment à la fois on peut avoir dans la société, ou faut-il au contraire ne pas avoir. Éternelle question qu'on trouve dans la tradition juive, qui est discutée dans les traités du Talmud, le traité Moed Katan, par exemple. Quelques milliers d'années. Que ça dure. Les chrétiens, christianisme primitif, avec une sorte de renversement, une affaire très compliquée, parce que on va avoir le fameux baiser aux lépreux. Ce traitement du handicap qui va être tout plein d'une vision un peu différente que celle que proposera, qu'a proposé de manière précédemment le judaïsme. Et surtout très important. Et on le rencontre aujourd'hui, on croit que c'est de la poussière, tout ça, c'est des vieilles choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les peuples sont éduqués avec du récit qui traverse des siècles, des milliers d'années. Des récits multimillénaires. Et parmi ceux-là, on a évidemment toute la question de l'allure des corps et du comportement d'un personnage très important du christianisme qui s'appelle Jésus-Christ, etc. On croit ou on ne croit pas, peu importe l'agnostic qui nous parle, ce n'est pas le sujet. Mais que cela se transmette et que nos générations précédentes ont charrié avec elles dans leurs imaginaires des quantités d'explications non dites sur la prise en compte du handicap. Alors, il y a aussi cette phrase que les économistes appellent l'effet Mathieu. Hein, vous savez, à celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l'abondance. À celui qui n'a pas, il sera tout pris, même ce qu'il avait avant. Qu'est-ce que signifie cette phrase dans le christianisme? Et on voit bien que cette idée-là, elle est condamnée par le christianisme, notamment par Mathieu, qui dit non, cet homme-là, celui qui pense cela, n'aura pas la vie éternelle. Toute la tradition monothéiste sera reprise ensuite dans les sagesses musulmanes, qu'ils soient sunnites ou qu'ils soient, y compris dans la logique mystique perse, va travailler au corps la question de l'inclusion, de l'exclusion, de la différenciation, de ce qui ressemble ou ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un homme. Alors, cette affaire peut nous paraître un peu prescriptive. Elle l'est, naturellement. Et je suis souvent frappé, vous savez, dans un amphi, avec des étudiants, j'ai demandé qui était Moïse. Personne ne savait. Ou ceux qui savaient, du grade, n'osaient pas dire qu'ils le savaient. Nous pensons souvent aujourd'hui
comme ayant parachevé une sorte d'histoire intérieure, nous serions arrivés aujourd'hui à l'époque de la mondialisation des sociétés inclusives naissantes, à une sorte de plateau où il y a encore un certain nombre de choses à régler, mais que globalement, nous sommes la génération spontanée. Non, nous avons une charrette derrière nous que nous tirons indéfiniment. Alors ce qui est très intéressant, et je le disais tout à l'heure, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que dans ces grandes traditions-là, on trouve du récit. Michel, tu parlais de récit. Récit de vie, Alexandre Jolien, Cavalcade, Slavenrat, combien d'auteurs ont fait de leur vie avec une difficulté importante ou plus légère, ont transformé et fait connaître leur vie grâce au récit. Et le récit est une vieille technique. C'est la parabole. La parabole, pour Paul Ricoeur, c'est à la fois un récit d'une personne anonyme, on ne sait pas vraiment qui c'est, et c'est une invitation à l'action. Vous savez ce que les hommes politiques utilisent aujourd'hui quand ils parlent utilisent la storytelling. J'ai vu dans mon bureau comme député ou dans mon cabinet comme ministre une personne qui m'a dit que on ne sait pas qui est cette personne, une personne handicapée, un parent d'enfant 10, etc. Qui m'a dit que, comme il en bavait pour trouver un établissement ou un dispositif adapté, ou qu'il y avait un an d'attente dans telle ou telle consultation, ou etc. La parabole comme médiation de l'action. Alors, on est les grands héritiers de la tradition du récit. Et quand je raconte ça à mes étudiants, quand je travaille sur ces questions, je me dis à la fois être moderne, c'est regarder un peu derrière, mais c'est surtout penser au vivant. Et on ne peut pas, à mon sens, penser au vivant à ces gamins que vous avez avec vous, ces enfants qui sont dans une souffrance souvent, sans avoir aussi cette histoire derrière qui est là. Et puis, l'histoire va un peu changer, puisque on va vivre, nous en sommes à une autre période, une sorte d'alliance nouvelle entre la croyance et la raison. Les sociétés, en tout cas européennes, vont évoluer à partir de la Renaissance, à peu près. On peut prendre même un tout petit indicateur qui est très intéressant, parce que c'est un carrefour, c'est Ambroise Paré, c'est l'Italie. C'est à la fois le pouvoir catholique qui interdit l'ouverture du corps, c'est Ambroise Paré qui les ouvre quand même, et c'est le monde catholique qui ferme l'œil, un œil en ouvrant l'autre. Et c'est à partir de là que l'exercice de la raison, la renaissance de l'humanisme, de l'homme placé au centre tout de même des préoccupations, qui va faire que l'exercice de la raison et le regard porté sur la différence va peu à peu être scruté par un regard scientifique et raisonnable. Nous sommes aujourd'hui, je crois, y compris avec l'Église, y compris avec le regard scientifique des professionnels, des médecins, ce que vous faites avec ces petits-enfants dans les salles, dans les consultations médicales, c'est à la fois l'héritage de l'exercice de la raison prudemment mené, réfuté chaque fois, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive à la construction de cette planète. Donc il n'y a pas à la fois le monde des sciences humaines qui brasse des idées, et puis le monde médical, de la santé publique qui fait estime pour voir si les outils sont standardisés, c'est les deux à la fois. Sans les uns, on n'en sera pas. C'est ça qui est assez formidable aussi, dans une journée comme ça. Mais on n'en est encore pas là, c'est-à-dire que si, grâce à cet exercice croisé de la raison, de la science, de la réfutation, qui a permis de mettre des noms, ça c'est une chose très importante dans l'histoire du handicap, dans l'histoire de la déficience, c'est de mettre des noms. Monsieur Vallet, je crois, a dit, on aime bien les sigles. C'est pas qu'on les aime bien, c'est pire que ça. On est croqué par les acronymes. Vous ouvrez n'importe quel ouvrage sur les déficiences, sur le handicap, sur l'enseignement adapté, vous avez nécessairement un glossaire, et là, vous avez une avalanche à terme. Mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Et on voit bien que la question du nom
La question de nommer les choses, c'est à la fois un exercice de la raison, c'est à la fois un exercice scientifique, mais pour une société, c'est un exercice lié à l'interprétation, en fait, de ce que l'on désigne. Finalement, on se dit, ah, formidable, les sciences nous ont aidés. Alors, je ne vais pas vous refaire Alfred Binet, Théodore Simon, le chef maître de l'intelligence, 1909, les lois sur l'état de perfectionnement, et toute cette époque qui s'est mise peu à peu. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que, en même temps que nous nous sommes affranchis de la tutelle structurelle, un peu trop présente, un peu trop insistante, hein, des religions, en même temps que nous sommes un peu affranchis de cela, il le fallait, en même temps que les sciences nous ont permis de mieux comprendre le réel, à la fois dans la réalité organique et dans la réalité psychique, parce qu'il y a une forme de réalité, une réalité psychique. Ce que vit l'enfant porteur de vie, c'est une réalité psychique. C'est aussi du réel. C'est pas seulement du réel mesurable avec des instruments. Nous vivons tous plusieurs formes de réel. Alors, les sciences, qu'on appelle les sciences de l'interprétation, hein, qui permettent d'interpréter ce réel-là, invisible, qui peut s'appeler la souffrance ou le sentiment, la joie, la littérature vous aide pour ça. Et puis la psychanalyse, je sais que on dit l'attention, il ne faut pas trop faire ça, mais tout de même. Et puis, c'est aussi la génétique, et puis c'est aussi la biologie, et puis c'est aussi les neurosciences. C'est tout ça qui nous aide à comprendre ces éléments-là. Alors on se dit, bon, ces sciences qui sont arrivées aujourd'hui à un tel niveau, moi qui je ne suis pas du tout, hein, j'ai beau être en sciences humaines, les protocoles scientifiques ne sont pas aussi serrés, ou la preuve scientifique n'est pas aussi manifeste, même parfois il n'y en a pas. On interprète sans fin un certain nombre de processus. Et quand j'entends mes collègues qui disent que vous avez standardisé, vérifié, que vous avez fait formidable, nous on ne sait pas bien faire. Des fois on croit qu'on sait faire. Souvent, moi je ne sais pas faire. On interprète. Alors on se dit donc, une fois franchi de la tutelle des religions, une fois lancé sur la formidable aventure humaine des sciences, et de la santé publique, et de tous les métiers de la rééducation, les psychomotriciens, les orthophonistes, les enseignants, tout le travail pédagogique qui a été fait depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, toutes ces trouvailles pédagogiques. Malgré cela, les problèmes demeurent. Et on se dit, mais quand on regarde les quelques milliers d'années qui nous précèdent, quel était le problème au fond? Au bout du bout du compte, le problème, c'est bien souvent un problème de justice. Un problème de justice qui fait que les sociétés semblent toujours vivre avec une certaine forme d'acceptation, de tolérance ou d'insensibilité à une injustice. Si tu permets d'interrompre, l'équité c'est quelque chose qui est très intéressant, mais qui est un concept essentiellement centré sur la responsabilité de l'homme, de l'individu, de sa relation à l'autre. Alors qu'ici on est quand même dans le traitement du handicap de manière générale, de manière générique, sur une responsabilité qui est collective. On parle de société inclusive, on parle de responsabilité des pouvoirs publics, on a entendu dire plusieurs fois ce matin, hein, soit par appel, soit par déclaration. On est à cheval entre deux responsabilités, ou en tout cas une responsabilité de deux natures, une responsabilité individuelle, une responsabilité collective. La charité et la compassion, c'est pratique. Je peux ou je ne peux pas, si je ne le tolère pas, je reste chez moi, j'essaye de ne pas le manifester, je ne ris pas trop quand quelqu'un se casse la figure sous le trottoir devant moi, je peux avoir des comportements. Il n'empêche que la responsabilité par rapport à la justice au niveau d'une société entière, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus délicat. Alors, exactement. On a été obligé d'abandonner, obligé à raison d'ailleurs, cette sentimentalité relative au handicap ou à la différence, pour passer à un principe, un impératif collectif, une vie commune, de la Révolution française, on vit 18e siècle. Et on a compris, tout est là. Et en même temps, on a dividu une société.
et regardez à quel point, d'ailleurs, dans les documents que j'avais reçus pour préparer cette rencontre, on voit bien que la question du doute, elle est posée aussi pour faire en sorte qu'elle entre dans la sphère publique avec l'argument du nombre. C'est la prévalence. Combien de personnes, combien d'enfants sont affectés par tel trou, dyspraxie, etc. Et que cette question du nombre, cette question de la quantité, c'est le bras armé argumentaire, tout de même, pour que la société dans son ensemble, qui résonne selon le modèle bénéfice-risque, puisse entendre la plainte. Mais c'est particulièrement injuste. Mais, et voilà, alors, la question des maladies orphelines, par exemple, qui est tout autre chose. Vous savez, Pascal Bruckner, un essayiste, que vous connaissez peut-être, dit « L'homme contemporain est à la fois un homme d'affaires et un poupon. » Alors, le modèle, la moindre de ses plaintes auprès de la société, il vocifère et vitupère dans la rue et il écrase la plainte de l'autre. Et nous avons peut-être dans cette question de l'argumentaire pour que la puissance publique entende la demande, celui de la quantité, de la prévalence. Autrement, on n'entend pas. Moi, seul, moi, comme à l'église, je souffre, je demande, pas sûr qu'on entende. Mais nous sommes un certain nombre de personnes. Alors, ce rapport entre l'individu et le collectif, c'est tout. Je dis aux étudiants, il y a un mot qu'on devrait souvent utiliser, c'est un mot qu'on n'utilise d'ailleurs jamais, mais au moins intellectuellement, c'est le mot, pardonnez-moi, c'est un peu jargonnant, mais cohabilité, c'est-à-dire s'étonner du banal. Et je donne toujours l'exemple aux étudiants, vous allez le samedi après-midi rue de la République à Lyon, vous marchez dans le train commun des personnes, et vous allez voir cet homme qui est toujours au même endroit, qui est dans un fauteuil, qui a la tête baissée, et qui est toujours à peu près au même niveau du même magasin. Il fait partie du paysage. Et quand nous le voyons, nous nous disons qui est cet homme, et immédiatement nous le plaçons dans un faisceau, dans un spectre qui serait celui des organismes, des dispositifs qui prennent en compte, plutôt en charge, cette personne. Et voilà, les vaches sont bien gardées. Il vit d'allocation. Allocaré, ça veut dire mettre à sa place. Il est à sa place. Or, la responsabilité individuelle, c'est aussi s'étonner du banal. Cet enfant qui a des difficultés, cette personne qui a une difficulté, elle est intéressante. Voilà une position éthique par définition. Peut-être, mais il me semble que c'est aussi dans les grands dispositifs que nous mettons en place, y compris de santé publique, c'est aussi de considérer que le dispositif n'est qu'un aspect, et il faut faire très attention que cet aspect-là ne finisse pas par être la chose elle-même, hein, qu'elle n'absorbe pas toute la question. Lorsqu'on parle de bienveillance, une société qui s'intéresse, c'est une société effectivement qui accorde du regard, de l'intérêt à l'ensemble de ses membres, quel qu'il soit. Voilà, c'est une société dont on dit qu'il faut qu'elle soit bienveillante pour être inclusive. C'est peut-être tout simplement une société qui mériterait d'être dans le regard individuel et non pas dans le masqué individuel. Quand on dit aujourd'hui que nos jeunes sont dans leur bulle, sont dans leur monde, je sais comment on les appelle, ils ont leurs appareils pour le faire, mais peut-être effectivement qu'il conviendrait de temps en temps de s'en dégager un. L'appareil qui consiste à vivre dans sa bulle, qui consiste à ne plus parler qu'à son semblable, qui consiste à ne lui parler que dans un jargon que ces semblables-là sont capables de connaître et de reconnaître, c'est effectivement l'un des premiers critères d'exclusion. Alors, je dis ça parce que l'accès à la lecture pour un jeune 10, c'est pas quelque chose de naturel. La bienveillance, c'est quelque chose qui se construit et qui n'est pas simplement lié au cœur gros comme ça qu'on pourrait avoir lorsqu'il est en classe ou au travail. Lorsqu'on est en situation on parlait tout à l'heure, de déclaration MDPH, de reconnaissance MDPH, on est encore une fois dans une classification qui, qu'on le veuille ou non, est binaire. On a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. On a ceux qui ont accès spontanément, ceux qui n'en ont pas. Donc même le nombre ici, tu vois, Denis, même le nombre est quelque chose de problématique parce que malgré tout,
je suis pas en train de faire du prosélytisme et de faire de la démagogie, malgré tout, la moitié des jeunes élèves reconnus, 10, ou reconnus troubles de la langue, enfin, du langage et de la parole, troubles des apprentissages, la moitié d'entre eux ne sont pas reconnus handicapés par la maison du handicap et n'ont pas spontanément l'accès à l'ensemble de ces dispositifs. Donc faire société, c'est quelque chose qui n'est pas simple, et pour le coup, nombre d'enseignants considèrent ces élèves-là non reconnus comme handicapés, comme des élèves qui pourraient faire un effort, bon sang. En forme de conclusion, balayer devant ma propre porte, notre propre porte. Souvent, dans les sciences humaines, on dit on est contre l'étiquetage, on est contre la catégorisation. Faisons très attention. On a souvent l'impression que les sciences humaines se mettent dans une espèce de tour d'ivoire à dire, voilà, la société réelle, comment elle va, nous qui ne sommes pas impliqués, on va vous dire comment ça devrait être. C'est-à-dire, on parle de morale, on parle d'éthique. Moi, je crois que c'est très important qu'on regarde de manière différente tout le travail qui est fait sur les 10, sur le diagnostic, sur la juste manière de nommer. Et que cette affaire-là, il nous appartient de venir aussi vers les professionnels, les rééducateurs qui travaillent et les médecins qui travaillent là-dessus. Alors, je suis assez ouvert. Voilà, je vais conclure là-dessus. Voilà. Merci. Merci à vous.